Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe à la maison là? T'entends du bruit, t'entends des craquements toi aussi, Lola, on est d'accord? C'est pas moi qui rêve. Bon, les potes, je viens de commencer une vidéo, voilà, je viens tout simplement d'allumer la caméra pour vous expliquer un petit peu tous les phénomènes superbes étranges qui sont en train actuellement de se passer chez moi. Alors là, je pense qu'il y en a certains qui comprennent pas trop qu'est-ce qui se passe, etc. Donc je vais vous expliquer un petit peu la situation. Donc voilà, j'étais avec mes deux enfants, Twitou et Lola, à la maison en train de regarder, voilà, la télé, etc. Et puis là, d'un coup, Lola, elle se lève pour aller à la cuisine et j'entends des craquements et tout. Et... Attendez, vous entendez là les petits bruits de craquement là? Vous entendez? Et bah ça, vous avez vu, c'est les bruits que la maison fait tout simplement. C'est pas mes enfants. Je vous réexplique vite fait la situation. On était du coup assis là sur le canapé et je demandais à Lola, voilà, qu'elle me fasse un petit truc, qu'elle nous ramène un petit truc à manger quoi, par la cuisine. Et là, on entend des bruits super forts. On se demandait voilà de qu'est-ce que, enfin d'où ça pouvait provenir. Et je pensais d'abord que c'était Lola qui faisait ça. Et en fait, non, ce n'était pas Lola. Il s'agissait tout simplement voilà de morceaux de maison qui s'enlevaient. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc en fait, voilà, vous avez pu voir les fondations de la maison, c'est-à-dire voilà sur quoi la maison tient, se sont détruits comme si quelqu'un avait essayé de l'arracher. Mais bon, qui pourrait arracher une maison? Je veux dire, qui aurait la force d'arracher une maison à part une grue? Et comme vous avez pu voir, il n'y a pas de grue à l'horizon, donc c'est vraiment bizarre. Bref, les enfants, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous criez? Regardez, ouais, il fait froid. Bah oui, les amis, regardez, il y a des blocs qui s'enlèvent et tout. Enfin, vraiment, c'est super. What? Mais regardez, les fenêtres, elles sont cassées aussi. Mais what? Mais c'est quoi? C'est incompréhension totale. Même le sol, regardez le sol et tout. Oh là là, mais regardez. Bon, comme je l'explique, voilà, c'est ça les fondations. Et vous avez pu voir que là, la maison, elle ne tient plus sur grand chose. Hein. Normalement, voilà, quand on construit une maison, on fait vraiment attention sur les fondations, etc. De là à l'endroit où on construit sa maison pour que ce soit solide. Et là, vous avez pu remarquer que tout est parti. Les amis, voilà, pour ça, il va falloir que. Oh, regardez, ça continue à casser, les gars, regardez. Waouh, les gars, regardez. Mais où est-ce que les blocs ils partent, les enfants? Regardez, où est-ce que les blocs ils partent? Ah, ok, bon, les enfants, il faut faire super attention là, ça casse vraiment de partout, mais même jusque dans ma maison. Oh, papa, regarde. Bon, chut, les enfants, s'il vous plaît, taisez-vous un petit peu, on va vite. J'ai vite fait dire un truc aux abonnés. Donc, les amis, juste avant que l'on commence la vidéo dès maintenant, je compte sur toi pour que tu t'abonnes à la chaîne YouTube en activant la cloche de notification. Voilà, ça me ferait super plaisir. Et puis en plus, comme ça, tu ne loueras plus aucune de mes vidéos. Surtout, voilà, j'en fais une chaque jour, c'est super important. Mais regardez, les potes, ça continue de se casser de partout. Donc voilà, faites-le bien, c'est super important. Et puis en plus, comme ça, les potes, tous ceux qui le font, voilà, vous ferez partie de la team. Donc un grand merci à vous, les potes, c'est super important. Et puis, les amis, si vous ne l'avez pas encore fait dès maintenant, mettez aussi un gros pouce bleu. Parce que, les amis, apparemment, j'ai cru entendre dire comme quoi, si vous mettez pas de pouce bleu et que si vous vous abonnez pas à la chaîne, voilà, il va y avoir votre maison à vous aussi qui va se casser. Donc, si vous voulez, dès maintenant, abonnez-vous tous à la chaîne et mettez un pouce bleu. Vous avez 5 secondes pour le faire, sinon votre maison va brûler. Ou alors, peut-être qu'elle va se casser, ou peut-être qu'elle va se retrouver dans les airs, on sait pas. Donc, voilà, abonnez-vous tous à la chaîne et mettez un gros pouce bleu, c'est super important. Et merci à tous ceux qui le feront, ça me ferait trop plaisir. Et bah, du coup, bah voilà. Viens voir. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore des trucs qui sont cassés, les enfants. Attends, non. Oh, les potes, regardez toutes les fondations de la maison, les gars, regardez. Vous avez vu, tout ça, c'est les fondations, c'est-à-dire que c'est les trucs sur lesquels, bah en fait, c'est des trucs, c'est des murs porteurs. Et ça veut dire que clairement, si jamais tous ces murs-là se cassent, et bah le toit risquerait de s'effondrer. Donc, bon, on va quand même faire super gaffe. Ouais, Lola, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Attends, on va suivre Lola, je sais pas qu'est-ce qu'elle veut nous montrer. Qu'est-ce qu'il y a? Viens voir, mais t'es ouais. Où? Oh, regardez les potes, elle est en train de se détacher la maison ou quoi? Oh non, mais what? Bon, écoutez, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est que dès maintenant, on va aller appeler un technicien. Donc voilà, les amis, Twitou, tu peux me ramener mon téléphone, s'il te plaît? Je crois que je l'ai laissé au salon. Tu peux pas me le chercher vite fait, Twitou, mon téléphone, au salon? Enfin, bah, il faut attends, que j'appelle. Attends, mais regarde, viens voir. Ouais, il y a encore quelque chose. Alors, regarde. Ouais. Alors, il y avait un bloc qui s'est cassé. Ouais. Et il a fait comme ça. Ouais. Attends, le bloc il allait vers l'espace? Genre dans les airs? Oui. Mais what? Mais oui. Comment c'est possible? Bon, les potes, on va sûrement en découvrir un petit peu plus durant la fin de la vidéo. Donc c'est pour ça que je compte sur toi bien pour que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin. C'est super important. Et en plus, comme ça, tu ne prends rien de tout ce qui va se passer. Et tout est du coup mon téléphone, s'il te plaît. Est-ce que tu peux aller me chercher? Ou Lola, n'importe qui. Hein, juste, voilà. Va me chercher mon téléphone. Ouais. Il est normalement dans le salon. Ouais. Donc voilà. On va attendre que mes enfants me ramènent mon téléphone. Et puis du coup, moi, pendant ce temps-là, je vais chercher l'annuaire du coup d'un technicien. Donc hop, c'est parti. On va chercher du coup dans le livre s'il n'y a pas le numéro d'un technicien quelque part. Ok, alors du coup là-dedans, je vois pas. Ah! Le numéro du bricoleur, c'est bon, je l'ai trouvé. Nickel. Ah, merci Lola. Bon. Les enfants, taisez-vous un petit peu, il faut que je parle avec le technicien. Ah, taisez-vous. Ah, ok, bon, c'est bon. Normalement, c'est en train de sonner. Allô, monsieur, vous m'entendez?
Oui, allô? Ouais, oula, monsieur, je crois que le téléphone, les lignes coupent un petit peu. Attendez, taisez-vous, les enfants. Ouais, les lignes coupent un petit peu, oui. Du coup, comment ça va? Bah, bien. Ouais, monsieur, je dois vous donner un rendez-vous le plus rapidement possible à l'adresse suivante. Voilà, je vous l'envoie par SMS. Les bruits, vous avez entendu, la maison se casse de plus en plus. S'il vous plaît, dépêchez-vous, c'est urgent, monsieur, dépêchez-vous. Ok, d'accord. Voilà, je vous ai envoyé l'adresse par SMS. Venez le plus vite possible, s'il vous plaît, monsieur. J'ai vraiment des grosses questions à vous poser, s'il vous plaît. Ok. Voilà, à tout de suite. Ok. Oui. Les potes, regardez, il y a des blocs qui continuent à se casser et tout. Oh là là, les amis, bon, il faut vraiment que ce monsieur se dépêche là. Et regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que peut-être durant la vidéo, il va se passer des trucs de ouf. Ah, monsieur, c'est vous que je vous appelais à l'instant là? Oui. Ok, nickel, bon, c'est parfait. Bon, monsieur, je vous explique la situation vraiment. Ah, bon, bah, vous avez pu remarquer, hein. Regardez, monsieur. Bon, alors, sans aucun phénomène, enfin, j'ai aucune explication à qu'est-ce qui a bien pu se passer. Mais regardez, vous avez pu le voir, il y a des blocs qui se sont cassés de partout vers ici. C'est vraiment super impressionnant. Je sais même pas du tout à quoi c'est dû. En fait, les blocs ils se cassent comme si voilà quelqu'un essayait d'arracher la maison vers le haut. Mais regardez, il n'y a pas de grue, il n'y a pas de truc de construction. Oh, enfin, il n'y a rien de spécial. J'arrive pas trop à comprendre, monsieur. Vous avez une explication Ah, Lola, ouais, qu'est-ce qu'il y a, Lola? Par hasard. Il y a des trucs qui volent. Mais des trucs qui s'envolent et tout, monsieur. Bon, écoutez, monsieur, est-ce que vous aurez pas une explication à ça? Je veux dire, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Regardez ici, monsieur, c'est clairement pas quelqu'un de nous qui s'amusait à faire ça, non? Enfin, je veux dire. Je vais vous poser des questions. Ah, okay, ça marche. Bon, bah, posez-moi des questions, mais faites assez vite parce que la maison, elle continue à s'effondrer, les gars. Calmez. Je vais essayer de me calmer. Bon, du coup, monsieur. Par hasard, vous n'aurez pas eu de mauvaises rencontres? Non, je n'ai pas eu forcément de mauvaises rencontres, bah, pour l'instant. Ah, quoique si, les amis, il y avait eu Scary Moon qu'on avait pu rencontrer et qui avait d'ailleurs. Les potes, je viens de me rappeler, mais Scary Moon m'avait tout simplement menacé d'envoyer ma maison dans l'espace. Mais attendez, les potes, ça veut dire qu'il y a seulement une seule explication possible, ça pourrait être que Scary Moon. Ok, ouais, bon, monsieur, je crois savoir qui c'est. Oh, mais il fait totalement... Oula, il est tard, là, il est quelle heure, monsieur? Il doit être 23h, là, Lola, il est quelle heure, là? T'as mon téléphone pour voir quelle heure il est Il est 23h35. Ah oui, excusez-moi, monsieur, je crois qu'on a pris un petit peu trop de temps à parler. Mais attendez, non, il est 17h03. Il est que 17h03, mais attends, mais ça... Ah, mais non, c'est pas possible qu'il soit 17h, parce que je commence à être un peu fatigué, tout et en même temps. Non, mais tout à l'heure, quand il est venu, c'est 17h. Ouais, mais pourquoi est-ce que d'un coup je suis fatigué, j'ai vraiment envie d'aller dormir, et vous aussi, mais les enfants, parce en que vous êtes apparemment, les amis, on a parlé pendant 3 heures. Oula, les enfants, ils sont super fatigués aussi. Ouais, monsieur, bon. Eh ben écoutez, monsieur, on essaiera de résoudre cette énigme un autre jour. Demain, ok, si vous voulez, demain. Hein? Oui. Allez, à demain, monsieur. Allez. Rentrez bien à la maison. Au pire, si vous voulez, vous pouvez dormir avec nous, hein, si vous voulez. Ouais. Bah venez, parce que les potes, comme vous avez pu l'entendre, hein, ce monsieur est vraiment super fatigué, donc. Vite, dors à la maison. Allez, oula, y a beaucoup de vent. Allez, venez, on va tous dormir à la maison. Bon. Eh bien les amis, on va dormir un petit peu, je suis vraiment cassé. Bah ici monsieur sur le canapé, voilà, ça c'est confortable franchement. Ah bon, okay, eh bien les potes, je vous souhaite à tous une très bonne nuit les enfants. Et bah du coup, je suis fatigué les potes, je suis vraiment fatigué. Je sais pas pourquoi ça m'intéresse aussi peu que la maison se casse, hein. Je suis vraiment comme si j'étais shooté les amis, comme si j'étais sous des effets d'alcool ou quoi. Oh, bon allez, bonne nuit. Oh les amis, oh et ben j'ai bien dormi les amis, hein. Bon, mis à part que, oula, mais c'est bizarre, regardez, toute la maison elle est de nouveau réparée on dirait. Oula, bon, c'est bizarre, bon, peut-être que c'était un cauchemar en fait les amis, parce que je me réveille à l'endroit où j'ai dormi. Ah bah non, c'est pas un cauchemar, regardez, il y a qui à côté de moi, il y a bien le monsieur qu'on avait vu hier soir. Bon, et bien les amis, je vais aller voir qu'est-ce que Lola est en train de faire, parce que j'entends qu'elle pour l'instant. Oh Lola, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es déjà réveillée là? C'est le matin, hein, tranquille. Oui. Regarde papa, il y a belle vue. Ah ouais, on a une belle vue. Bah, par contre, on voit pas la piscine, c'est bizarre. Oh, il y a peut-être un peu de brouillard. Ouais, bon, ouais. Du coup Lola, comme je vois que t'es réveillée, que tu t'es réveillée un petit peu plus tôt, tu m'as préparé un petit truc à manger, non? Hein. Alors, pour ce matin, tu as des cookies. Oh, trop bien, des petits cookies. Attends, c'est toi qui les as préparés? Pépites de chocolat. Hein? Ah ouais. Lola, c'est toi qui m'as préparé les petits cookies? Ah ouais. Ah, c'est trop gentil Lola. Bah écoute, je vais les mettre sur la table directement. Et bah les potes, en tout cas, vous avez pu le voir, des petits cookies de la part de Lola, donc ça fait vraiment plaisir.
Et tu m'as même préparé un petit café. Ah bah attends, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le frigo. Alors, des burgers, des pizzas, des gâteaux, de la, du coca. Et ben, on mange bien équilibré en ce moment les enfants, ça fait plaisir hein. On va tous finir obèses dans la famille, je pense hein. OK. Monsieur. Bon, ouais monsieur. Ouais ouais. Je peux prendre des céréales s'il vous plaît? Ah bah allez-y, mais il y a mais monsieur, enfin oui, tu sais, on peut se tutoyer et puis tu sais tu fais un peu comme chez toi. Hein. Bon, tu vides pas le paquet parce que Toutoui, il aime beaucoup les céréales aussi hein. Bon, ouais, écoute, je sais, en plus c'est ses préférés. Je vais prendre mon café, je vais aller voir un petit peu qu'est-ce que Toutoui est en train de faire parce que à cette heure-là, ouais, bon, il doit sûrement dormir hein, je pense. Ah bah il est pas dans les où est-ce qu'il est parce qu'il est pas sur le canapé? Parce qu'il joue. Ah ouais, c'est vrai qu'il joue un petit peu. C'est vrai que les potes, s'il y a bien un truc que j'ai remarqué, c'est que la nuit, Toutoui vient souvent dans mon setup, etc. Et il s'amuse et tout. Donc bon, j'espère qu'il a pas joué toute la nuit à Fortnite sur mon setup parce que ça va m'énerver un petit peu. Alors, est-ce qu'il serait pas dans mon setup? Non. Oh mais il dort sur sur mes trois écrans. Et par contre, là, c'est bizarre. Il y a du brouillard dehors, hein, je crois, non? Oh là, laissez-moi jouer, elle est là-bas, là. Mais Toutoui, mais attends, mais t'as joué toute la nuit? Non. T'es sûr? Et pourquoi je vois tant de jeux Fortnite? 8 heures! Mais on est parti se coucher à minuit, et il est 9 heures! T'as joué toute la nuit, t'as attendu que je dorme pour jouer! Eh, reviens là tout de suite, vilain! T'es puni! C'est faux! Bon, allez, je vais laisser les enfants se chamailler un petit peu entre eux, hein, c'est pas de mes histoires. Moi, je vais plutôt aller boire mon café dehors, là, j'ai bien envie d'aller prendre mon petit café et regarder un petit peu la vue qu'il y a dehors, donc hop. Je peux venir avec vous pour constater les dégâts? Bah écoutez, monsieur, ce qui est bizarre, c'est que vous avez pu voir que la maison, elle, y a plus aucun dégât, là, vraiment, c'est assez impressionnant Mais attendez, mais monsieur, vous avez réparé la maison, il est attendez, mais... Non, mais... Oh Attendez, non mais je suis en train d'halluciner, c'est quoi cette histoire? Oh monsieur, mais c'est le vide! Attention Lola, reviens ici, reviens de l'autre côté! What? Attendez, mais attends, venez on va à la porte d'entrée, me dites pas que... Attendez, venez on va voir qu'est-ce qu'il y a! Attends, je vais aller devant la porte d'entrée les amis pour voir un petit peu. Oh! Mais what? Mais notre maison elle a été envoyée dans l'air ou quoi les amis? Regardez ça! La maison, elle est totalement dans le vide. Ah, Lola, non, reviens. Ah. Mais Lola, mais t'es folle ou quoi? Monsieur, non, restez pas aussi proche du truc comme ça, là. Non, Lola, s'il te plaît, t'amuses pas à faire ça. T'amuses pas à faire ça, c'est pas drôle. Franchement, là, c'est pas drôle. C'est très dangereux, d'ailleurs. Y'a Dodo, si tu fais ça... Ouais, tu meurs. Non, Lola... Lola, mais c'est... Lola! Ah, c'est Scary Moon! Mais c'est Scary Moon qui a fait ça, les amis, mais c'était sûr! Les amis, Scary Moon vient de capturer ma fille, les amis! Oh mon dieu! Oh là là là! Bon, les amis, à l'heure actuelle, ma fille est vraiment très très loin de moi, je crois que Scary Moon l'a emmenée dans une prison! Oh, et ben écoutez, les potes, je pense que vous avez pu remarquer, ça risque. Enfin, les prochaines vidéos risquent d'être vraiment super super étranges, je sais vraiment pas trop qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, mais en tout cas, vous avez pu remarquer, hein, ma maison a été téléportée dans les airs, et franchement, ça me fait vraiment très très peur. On verra bien qu'est-ce que l'on va pouvoir faire et puis du coup bah est-ce qu'on va pouvoir retourner dans l'espace naturel. Ce qu'on va faire c'est qu'on va voir si Ben il est là parce que la seule personne qui pourrait m'aider à l'heure actuelle c'est Lola. Qu'est-ce que mais Lola mais Lola mais qui pourquoi t'arrives pas? Arrête-toi Lola, viens. Mais moi qui pensais que tu t'étais fait capturer par Scary Moon. Bon, Lola, c'est bon. Hop là, voilà, c'est bon, t'as calmé. Qu'est-ce qui s'est passé, Lola? Tu t'es envolé? Il s'est passé quoi? D'un coup, je sais pas, on m'a poussé. Quand on m'avait poussé, et je suis tombé, d'un coup, je suis remonté, je sais pas comment. Ah ouais, comme si Scary Moon t'avait ramené ici, en fait, c'est ça? Ok. Je sais pas. Bon, et bah écoute, viens, on va aller voir Ben. C'est le seul qui pourrait nous aider à l'heure actuelle. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que Ben est en train. Mais du coup Ben il est où? Il est passé où Ben du coup s'il est plus ici? Mais papa ça se trouve il est encore dans la maison mais genre comme j'étais dans le sous-sol ça se trouve il est dans le sous-sol il est pauvre. Dans le sous mais du coup là il y a plus de sous-sol là. T'es en train de me dire que ça se trouve il est coincé dans le sous-sol dans l'autre sous-sol enfin de la maison avant qu'elle se décolle. Oula bon. Peut-être que c'est ce qui s'est passé. Bah, écoute, on va retourner voir Toutoui, on va lui demander qu'est-ce qu'on pourrait faire. Parce que bon, lui c'est un petit peu un mec qui joue beaucoup. Enfin, vous savez, Toutoui, il joue beaucoup aux jeux vidéo, etc. Et puis dans tous les cas, comme vous le savez, Toutoui, il a vraiment une phrase. C'est que s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Donc on va demander un petit peu à Toutoui qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et puis bah du coup, bah c'est parti, on va lui demander. Peut-être que j'ai un petit plan dans ma tête avec des échelles. Si on essayait de faire un truc pour pouvoir redescendre en bas ou je sais pas. Bref, on va demander à Toutoui parce que lui, on va pas se mentir, les amis. Je vais vous dire un petit secret, les amis, sur Toutoui, c'est que
lui, il est super intelligent, étant donné que voilà, il joue beaucoup à des jeux de stratégie toute la journée. Bon, il est un peu... il joue vraiment beaucoup, mais voilà, ça permet d'être aussi intelligent, il résout Papa, beaucoup d'énigmes et tout. Ouais. Mais d'après les calculs que j'ai fait, si un jour la maison va retomber, parce qu'avec la puissance de l'air et la vitesse du vent, la maison va retomber. Ah, écoute, on va laisser Toutou parler de tout ça. Je sais que Lola, okay, tu t'es un petit peu moins calé là-dedans, mais t'es aussi intelligente beaucoup, toi aussi. La vitesse du vent et la vitesse de l'air, ouais, mais ça, c'est des trucs, quand c'est des phénomènes naturels. Là, ce qui est en train de se passer, c'est totalement surnaturel, et je pense que Toutou répondra mieux à la question, donc on va aller le voir, vite. Oui, allez, oui, on va vite dans le setup, et me dites pas qu'il est encore en train de jouer aux jeux vidéo, quand même, hein, parce que là, ça va vraiment être bizarre. Bon, Tweetwee, hop, oula, pourquoi il y avait du lait de partout ici, là? Qu'est-ce que tu faisais? Ouais, ok, d'accord, ouais, éteins les écrans, ouais, c'est mieux. Bon, écoute, Tweetwee, parce que toi, j'ai l'impression que tu t'en fous complètement de ce qui est en train de se passer. Mais viens, quoi, viens, suis-moi, viens, il faut que je te montre quelque chose. Attends. Ah, les bureaux sont sales. Allez, j'ai ragé un peu. Ah, t'as ragé. Ok, ça marche. Voilà, mets des bureaux un peu plus propres. J'ai foutu du lait partout. Oh là 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 là, mais quel coquin ce Tweetwee. J'ai mangé. Allez, vas-y, viens Tweetwee. Du coup, c'est parti. Je vais t'emmener. Je vais t'emmener voir quelque chose. Tu vas me dire ce que t'en penses. Et pour toi, qu'est-ce qui aurait bien pu se passer? Allez, c'est parti les potes. Bon, en plus comme ça, ça va nous permettre de pouvoir voir la réaction de Tweetwee. Comment il va réagir face à ça? Allez, c'est parti. De vas-y, chocolat. attention, allez, attention, Tweetwee, hop là. Oh, on est au-dessus d'un marécage, trop bien. Mais attends, mais Tweetwee, mais t'es sérieux, mec? C'est... Attends, donc là, il y a une... notre maison, alors, elle est totalement. Maison, elle est réparée, merci toi. Eh, notre maison, elle est, mais oui, non, mais elle est réparée, ok. Mais notre maison, elle flotte dans l'air, et toi, la seule chose que tu trouves à dire, c'est ouais, on est au-dessus d'un marécage. Ah oui, c'est vrai. Bon, écoute, Tweetwee, je sais que toi, t'es quand même assez intelligent, etc. et tout, mais est-ce que tu pourrais m'expliquer... T'es fatigué, là. Ah, t'es fatigué. Mais écoute, Tweetwee, j'ai vraiment besoin de tes compétences en tout ce qui est de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tu me dises, bah du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait. Donc, tu prends un portal gun. Ah, c'est quoi, c'est un portal gun? C'est, tu connais pas le portal? Non, tu je connais pas. Portal. Bah oui, c'est moi qui l'ai inventé, en fait, c'est vrai. Ah, c'est mon jeu. Papa, regarde en bas. Attends, tais-toi, Lola. Ok, bon, d'accord. Ok, bon, écoute-moi un petit peu comment ça marche. Bon, tu as ça et t'as ça. D'accord, donc t'es en train de me dire que c'est t'as créé les mêmes, des... C'est pas les mêmes, attention. Ok, d'accord, donc t'en as deux différentes là, ok. Donc t'as deux portal guns différentes, donc là j'ai eu celle de gauche, ouais, et celle de droite. Bon, voilà. Explique-moi les différents pouvoirs qu'elles ont, celles de... Ok, vas-y. Là tu vas mettre une là, hop là, une là. Ok, donc une là, ok. Voilà. Et après, tu vas mettre, jette l'autre là-bas, jette l'autre en bas. Ok, je vais jeter l'autre en bas, attention, on va la suivre. Hop. Quoi? Attends, mais les enfants, mais allez, comment je reviens maintenant? Lola, les enfants, tu dois refaire la même chose. Ah, je dois refaire la même chose, ok. Avec l'orange. Bon, c'est parti, je le jette et il faut maintenant que je vise apparemment le orange, donc c'est parti, attention. Hop là, voilà, je vais sur ma téléporter. Voilà, les amis, c'est bon. Ok. Bon, eh bien, vous avez pu le voir, j'ai mais pas ça... trop l'utiliser quand même. Ouais, bon, j'ai encore un petit peu de mal à l'utiliser, mais franchement, bah Tweetwee, regarde le pro, regarde le pro. Vas-y, Tweetwee, montre-moi un petit peu. Attention. Oh. Ok, les potes, regardez-moi ça. Et il arrive même à revenir. Et il arrive même à revenir. Regardez-moi ça. Trois, et ouais, mon pote, franchement, t'es chaud. Eh ben, écoutez, les amis, tu meurs. Oula, mais écoute, maintenant, si je réfléchis bien à ce qu'on devrait faire, parce que tu vois, ça, c'est une, ça va nous marcher, ça va marcher quelques fois, mais il nous faudrait un chemin qui nous mène de en bas à en haut pour pouvoir descendre attends, et remonter. Attends, pose-toi-le là. Ah, ok. Attends, mais j'avais mis des trucs. Attends, j'avais volé des trucs chez Apu. Oula, attends, comment ça t'as volé des trucs chez Apu, Tweetwee? Bon, et bah les amis, je pense qu'on va sûrement s'arrêter là pour la vidéo pour l'instant. Oui. En tout cas, vous avez pu voir que là, les amis, les moments qu'on vit actuellement sont quand même assez complexes et je sais pas trop comment est-ce qu'on va réussir à s'en sortir. Mais les amis, si jamais tu veux voir la suite de la vidéo où on va sûrement réussir à retourner du coup dans le monde normal, enfin, quand je dis ça, c'est à dire que du coup notre maison ne volera plus, hein, parce que là c'est totalement un phénomène surnaturel. Alors apparemment, moi je soupçonne Scary Moon de Monsieur faire ça, mais on sait pas. Ouais, monsieur. J'aurais une idée pour revenir au bas. Ah, et qu'est-ce avec des jetpacks.
Des jetpacks? Oh mais mec, mais t'as trop raison, mais... Ouais, et comment est-ce qu'on pourrait trouver des jetpacks maintenant? Parce que bon, ça se trouve pas à tout le coin de rue. Peut-être que Toutou peut nous en fabriquer, parce que je sais qu'il est intelligent dans tous ces trucs-là, scientifiques. Bon, et bah les potes, en tout cas, dès maintenant, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche de notification. Voilà, ça me ferait super plaisir, et puis en plus, comme ça, tu ne feras plus aucune de mes vidéos. Voilà, je pense qu'on va sûrement continuer notre combat face à Scary Moon, parce que là, vous avez vu Scary Moon, ce qu'il nous a fait. Il nous a emmené dans les airs, tout simplement. Papa, donc voilà. Regarde devant toi. Oula, ok, les potes, on va s'arrêter là, voilà. Bon, abonne-toi tout de suite à la chaîne si tu veux pas que Scary Moon, mais aussi mettre ta maison dans les airs et que tout simplement ça te tue, donc voilà. Si tu veux pas mourir, abonne-toi à la chaîne et mets un pouce bleu, comme ça tu ne louperas plus aucune de mes vidéos, et en plus j'en sors tous les jours, c'est super important. Mais aussi, voilà, abonne-toi, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur ma boutique de vêtements, et surtout très important, deviens sponsor à cette chaîne YouTube, parce que déjà c'est un bouton qui me soutient énormément. Pour devenir sponsor, tu as tout simplement à cliquer sur le bouton rejoindre ou alors le lien devenir sponsor qui se trouve du coup en premier lien de description. Merci à tous ceux qui le font, et puis sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne fin de soirée, et à la prochaine. Allez, ciao ciao.